Hello les amis, j'espère que vous allez bien, et moi j'ai le hockey comme vous pouvez le constater. Mais bon, je me suis dit que ce serait drôle d'essayer quand même de faire une vidéo avec le hockey. Alors dans cette vidéo là, j'ai envie de faire un truc marrant. Parce que j'étais en train de chercher des idées de vidéos, je me suis dit, ah bah tiens, on va essayer de rendre ma movie star pas très jolie. Enfin, du moins, selon moi, hein, bien sûr, parce que des fois j'essaie d'être jolie, vous me trouvez moche quand même. Donc on va d'abord changer cette tête, elle est trop jolie. J'en peux plus de ma vie là, je n'en peux plus de ma vie. Mince, c'est pas là-dedans. Oh merde, déjà que j'ai tout le temps le hockey en live, sans plus, je n'arrive pas à faire une vidéo à cause du hockey, ça craint. Oh, j'en peux plus. Alors, pour des yeux, je pense pas en... Enfin, je crois pas qu'il y en ait qui soient plus moches que d'autres. Alors, pour la tête, on en arrive à un résultat à peu près comme ça. En soi, l'arc-en-ciel sur les joues, ça passe. Il n'est pas si dégueu que ça, mais le tout fait que ça rend la chose un peu chelou. Parce que bon, entre les sourcils verts, le rouge, j'ai la lèvre bleue, et les yeux roses, jaunes, on sait pas trop. Et ben, j'achète. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, il va falloir qu'on s'occupe de ses vêtements. Alors, pour ses vêtements, est-ce qu'on... pas sur du shopping, ou est-ce qu'on prend ce que j'ai? Alors écoutez, je vais pas aller faire du shopping, on va aller changer ses vêtements, on va voir ce qu'on a dans les affaires. Je dois avoir quand même des choses assez spéciales, hein. On va regarder ça ensemble. Ah bah tiens, c'était dans l'un de mes derniers échanges, j'avais fait gagner le t-shirt à 50 000 Star Coin. Oh désolé. Hop, ah j'adore. Cette coiffure, mais elle me rend swag, ça. On dirait pas un peu le film de clown qui est sorti, pas le film ça, un autre avec un clown. Je crois qu'il s'appelle Clown le film, je sais plus. Pour le haut, celui-là il est sympa, mais on va voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Celui-là il a l'air sympa. Celui-là ou en gris. Ouais non, celui-là il est mieux. Et maintenant le pantalon. Est-ce qu'on prend le pantalon de poulet? Ou est-ce qu'on essaie de trouver autre chose? Et si on met que le collant, c'est assez sympa aussi, hein, comme résultat. Waouh, le collant là. Le collant là, il est cool. Ouais, ou celui-là. Ouais, non, il est... c'est trop... Non, c'est trop beau comme ça. Pour un pantalon qui ne soit absolument pas de la même couleur que le t-shirt. Je crois par contre que Lalo, quand elle va voir mon look, elle va péter un plomb. Va se dire, oh, maintenant pour une fois qu'elle avait un look. Ah, le pantalon violet, celui-là, je valide. Je valide, si je vois mine, si je vois bien. Et le petit, enfin les petites chaussures. Eh bien, je crois qu'on a eu ce qu'il faut. Direct, je suis arrivée, direct, j'ai trouvé ce que j'aurais voulu. Oh non, mais les pattes de poulet. Les gens vont croire que je vais au KFC. Mais les accessoires, faut pas oublier les accessoires, hein, pour rendre notre très belle mademoiselle Quinzel. On va la rendre magnifique. Non, ça c'est trop joli pour elle. un petit collier avec une serrure pour que quelqu'un ouvre la clé de la beauté. Pour ouvrir ce petit collier. Et celui qui arrivera à ouvrir le collier deviendra beau. Comme Quinzel. Quinzel YouTube. Ah, petit chapeau. Eh ben pourquoi pas. Eh ben, je valide le chapeau, hein, personnellement. Dites-moi si vous auriez mis chapeau ou pas, mais je pense qu'on peut valider le chapeau. Ah, les petites extensions de cils qui la rendent belle, qui lui ouvrent le regard. Déjà qu'elle a des yeux magnifiques, pour accentuer cela, on met les petits eyelashes. Oh non, ça lui a enlevé les eyelashes. Faut que je lui remette les eyelashes. Voilà, tant pis pour les boucles d'oreilles. Avec les petites plumes, ça... Non, non. Sans les plumes. Sans les plumes. Là, je suis en train de voir... Ah, un truc pour habiller le bras. Ça, c'est le bras. Ah mince, ça doit être la jambe. On le verra pas. À cause du pantalon, faut que je trouve autre chose. Parce que les bras, elle a rien dessus. Ah, j'ai vu un truc intéressant. Ok, ça, c'est encore mieux que les eyelashes. Je trouve que ça rajoute tellement de beauté au personnage. J'adore, je valide. Par contre, je suis toujours en train de chercher le petit, la petite déco pour les bras, le petit tatouage. C'est quoi? C'est pour... Oui, magnifique, c'est pour les bras, voilà.
Voilà, voilà, le magnifique tatouage qui va tellement bien avec le reste. C'est pour faire un petit rappel avec son gloss, hein. Ouais. Écoutez, on va valider comme ça. Accessoires, cheveux, tout est beau, tout est magnifique. Là, c'est bon, il n'y a rien à changer. On peut mettre OK. Voilà. Ah, j'adore. Je valide. Écoutez, pour finir, on va dire... Vous en pensez quoi de mon nouveau look? Moi, je me trouve trop jolie. On va voir s'il y a des gens qui vont nous envoyer des réactions. On va regarder ça ensemble. Déjà, il y a une réaction qui fait « Tu te fais pirater !» Donc celle-là, elle date un peu. C'est pas l'une pour mon nouveau look. Mais... Mais la personne me dit, mais ça c'est par rapport à mon visage. Alors j'ai même pas fait encore les vêtements. On me demande si je me suis fait pirater. Je fais, tu n'aimes pas mon look? Ah voilà, en direct, ton look est vraiment magnifique, MDR. On va dire, on sent la sincérité. J'en peux plus. Mince. Ah, t'es magnifique. Bah, je savais que ça allait vous plaire, je le savais. Vous voyez, quand j'essaye de faire un truc joli des fois, bah, j'y arrive. Et ça plaît aux gens. Enfin bon, on va s'arrêter là. Je regarderai vos réactions en commentaire. Dites-moi si vous trouvez que mon look est beau. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi j'adore. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos, que ce soit sur Insta ou sur Discord, de vos looks à vous. Mes versions jolies comme moi, quoi. Allez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Gros bisous à vous.